Wesh les gars, bien ou quoi, tranquille? Bon, je suis parti sur internet vite fait, tout ça et tout. Et j'ai vu Abdel Soulax et Hess l'enfoiré, à Bordeaux, tout ça et tout. Donc, déjà, Hess l'enfoiré, on sait c'est qui, c'est un rappeur et tout ça et tout. Bon, j'écoute pas trop sa musique et tout ça et tout, mais voilà, il a quand même du buzz. Et Abdel Soulax, mes chers frères et sœurs, il y a des mecs qui m'envoient des messages Instagram, ils me disent, tu connais Abdel Soulax? Ouais, il fait du buzz, il fait ceci, il fait cela. Je vous dis la vérité, le nom je le connais. Le visage je le connais, mais c'est pas quelqu'un que j'ai regardé. Mais je vais commencer à étudier son dossier parce que j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de bruit. J'ai vu que, je sais pas, il animait une télévision, je sais pas quoi, il faisait passer Hess l'enfoiré en concert. Je sais pas s'ils sont amis ou s'ils sont pas amis, je sais pas comment ça se passe entre les deux. Je sais pas si c'est un Instagrammeur, si Abdel Soulax c'est un Instagrammeur, si c'est un Snapchatter. Si c'est un youtubeur, je sais pas qui il est exactement, et je vais étudier le dossier, puis je vous dirai ce que j'en pense de lui. Mais en tout cas, j'ai vu que c'est un gars qui a la joie de vivre et qui rigole beaucoup et qui fait rire les gens. Hein. J'ai l'impression que c'est pas un comédien par hasard. Dites-le-moi en commentaire. Dites-le-moi en commentaire. Et voilà, donc, ouais, donc, j'ai l'impression que, ouais, les Instagrammeurs et les Snapchatters, ils font plus de bruit que les youtubeurs. Nous, on est sur YouTube, on entend moins parler de nous que les mecs qui sont sur Insta. Parce que lui, c'est un peu comme Baby Driver, je crois, il est sur Snapchat, je suis pas sûr. Hein. Dites-le-moi en commentaire qui il est, Abdel Soulax. Mais en tout cas, pour être assis à côté de Hess l'Enfoiré et pour être booké dans les mêmes endroits que Hess l'Enfoiré, c'est que le mec, ça doit pas être n'importe qui. Ça doit être quelqu'un. Ça veut dire qu'il commence à faire du buzz, il commence à prendre de. En plus, j'ai vu truc de clic et tout ça et tout là. J'ai vu clic et tout ça là. Il faisait passer, avant que Hess l'Enfoiré ait passé, il faisait comme l'animateur et tout ça, puis après il l'a fait passer tout ça et tout. Donc voilà, donc moi j'ai pas d'a priori envers Abdel Soulax, je le connais pas, mes chers frères et sœurs. Mais c'est vrai que son nom il résonne beaucoup, et là il y a beaucoup de mecs qui me disent sur Instagram en privé, ils disent ce que t'en penses d'Abdel Soulax, il y en a, ils parlent mal, ils l'insultent sur mon Instagram. Je peux pas insulter un mec que je connais pas, vous me demandez de le clasher ou de je sais pas quoi. Les gars, moi je m'attaque à des mecs qui méritent de clasher. Donc déjà pour tous ceux qui m'envoient des messages, clash Abdel Soulax, clash-le, je le connais pas pour le moment, je le clash pas. Je le clasherai si vraiment il y a un truc qui m'énerve chez lui. Mais pour moi, c'est un mec qui fait le clown, il fait rigoler pour le moment. C'est pas un mec qui. C'est un mec qui parle pas des gens, lui. C'est ce qu'il a à faire, c'est tout. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur Abdel Soulax. On va étudier le dossier, on va regarder un petit peu plus. Des petits passages, des petites vidéos sur lui. Je vais regarder un peu plus sur lui. Et je vous dirai quoi si c'est un mec bizarre ou quoi. Tu vois. Parce que c'est bizarre, hein. Maintenant, c'est un truc de fou. On m'envoie beaucoup de messages Instagram. Franchement, les gars, arrêtez. Hein. Arrêtez, calmez-vous avec les messages privés. Hein. Parce que moi, je peux pas tout lire. Et je peux pas répondre à toutes vos attentes. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça prouve que Guanazero est en train de prendre du buzz et en train de prendre du poids, mes frères et sœurs. Bah!